Oh mon Dieu, ça tout le monde pour une nouvelle vidéo. Et il y a mon ami qui a été volé par une fille qui s'appelle Lune. Lol. Aïe. Il est mécanicien, mais surtout fan de vitesse. Son plaisir. Et où es-tu? Quitte à équiper ces bolides, deux pièces normalement réservées aux pros des circuits. J'ai reçu la super puce. Attention, avec ça je vais arriver à 450 chevaux. Au final, les créations de Serge n'ont plus rien à voir avec la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Aïe. Celle-là, par exemple, c'est une vedette des années 80. Elle est aujourd'hui une déconnée. 83, son avis de 6, il doit faire dans les, normalement sur 2 chevaux. Actuellement, il en fait 250. En vitesse de pointe, c'est quelque chose qui va tourner dans les 260 km/h. Une petite voiture que Serge a transformée en une véritable bombe. 3 ans de travail. 25 000 euros. À l'intérieur, il n'y a plus grand chose d'origine. Alors, sous le capot, aïe, on y trouve un moteur de 405 turbo 16. Vous avez ça, ce mot là. Je fais 1, 2, je fais 3, voire même plus. 1, 2, 1, 2. Serge le sait, cette voiture ne peut rouler que sur le circuit. Hors de question de l'utiliser sur les routes, et pourtant, attends, c'est une affaire de vol ou pas? Ça s'énerve, mais j'étais gentil à toi. Et notre amateur de vitesse va rapidement prendre des risques inconsidérés. Attends, ça casse. Serge n'apprécie pas vraiment qu'on essaye de le doubler. Oh. Tu as doublé quelqu'un? Avec la vitesse, Serge a franchi la ligne rouge. Il sait qu'il risque gros. L'accident n'est jamais très loin. Serge, lui, s'en remet au destin. Ce ne serait pas vraiment de sa faute. Comme tout autre automobiliste à 250, bah, tu ne fais rien. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu suis la route, voilà quoi. Mais bon, c'est si. Bon, ok. Une route, c'est pas fait pour être traversée n'importe comment. Des morts de vitesse qui mettent en danger les automobilistes qui croisent leur chemin. Tout ça juste pour une rose, pour une violette rose. C'est une fleur. Alors, le danger est bien souvent au coin de la rue. C'est quoi ces races de filles là? Tous les vendredis soirs près de Nice, c'est le rassemblement des fans de tuning de la région. Sur le parking de ce supermarché. Nous retrouvons Franck, à 25 ans. C'est le clou de la soirée. Des courses sauvages de voitures à la sortie de Nice. Et comme c'est illégal, pas question d'attirer l'attention en faisant vrombir les moteurs. Il est chaud. Franck et ses amis prêtent à rester. Bon, ben ok, la photo. Oh zut. Photo d'une voleuse. Vous êtes filmé, vous savez pas. La voleuse est filmée. La police commence à tourner autour du rassemblement à la recherche des chauffards du vendredi soir. Déjà, ils vont se planquer, ils se mettent en truc de platane avec le pistolet, c'est fou. C'est le laser, ouais. Il vaut mieux bouger sur une boîte que avoir des risques qui soient n'importe où. Arrêtez de dire des gros mots là. Le jeu du chat et la souris va alors commencer.
les jeunes conducteurs vont devoir trouver un autre endroit pour faire la course sans finir de notre poignet. Oh, mais ça sera tout pour cette vidéo. Bye.